Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. C'est le moment de l'hymne national de la Slovaquie. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match? Évidemment, il va falloir suivre de très près Zlatan Ibrahimovic. Et ce n'est pas facile parce qu'il décroche tellement qu'on finit par ne plus savoir à quel poste il joue. Non seulement il est puissant, mais en plus il tente des gestes venus d'ailleurs. C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. On est parti pour 90 minutes. Sébastien Larsson qui cherche à construire. C'est dégagé loin devant. La frappe. Lustig. Sébastien Larsson. Il a vu Ibrahimovic. Il est en bonne position pour centrer. Énorme occasion. Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct. Ça m'a été sans doute un meilleur sort. Long ballon dans le sens du jeu. La Slovaquie qui peut avancer. Allez. Il change d'aile. Kuka qui est servi sur cette bonne transversale. Il remporte son duel. Il cherche la profondeur. Sébastien Larsson. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Il a de l'espace là. Kuka. Les deux équipes se neutralisent. Quelle passe! Voilà une bonne occasion de contre. Ibrahimovic. C'est bien fait ça.
Non, il est signalé hors jeu. Le long dégagement du gardien. Oh, le petit ballon piqué. C'est bien intercepté. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Allez, la tête. Réussir son coup de tête. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. On est reparti. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. C'est joué long. Hamzik. Lindelöf qui est récompensé de son pressing. Donc ça va partir vite. Ce ballon bien dosé. Ibrahimovic. Oh, la frappe. Et le cadre se dérobe largement. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Ça joue long vers l'avant. Hamzik. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Elle continue sa course. Centre. Il met la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. La Suède pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Il décide d'allonger le jeu. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Il le marque à la culotte. Mais attention, ça risque de créer des brèches ailleurs. Duda. Duda. Il y a un peu d'espace. Oh, très bon ballon. Le gardien loin devant. Ibrahimovic. La passe dans la profondeur. Il peut en profiter. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Une occasion peut-être pour Ibrahimovic. Bon service dans la profondeur. Bien servi. La frappe. Hamzik. Hamzik qui cherche la profondeur. Kuka. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il allonge vers l'avant. Hamzik qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Skriniar.
Duda. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Qu'a-t-on appris dans cette première période? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Hamzik. Duda. Le jeu repart vers la droite. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Lindelöf. Un long ballon vers l'avant. Le ballon piqué sur le côté. Là, il peut centrer. Oh, la main ferme! Provoqué. Bien joué ça! Quel jaillissement! On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La profondeur vers Ibrahimovic. Ça peut partir en contre. Le bon dribble. Et il perd l'équilibre. L'arbitre signale une faute. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Berg qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les axes. Sébastien Larsson qui récupère ce ballon. Ibrahimovic! Il y a de l'espace. Et il ne résiste pas au contact. Mauvaise intervention, faute là-dessus. La grosse intervention. Ils obtiennent un coup franc. Ça passe. Faute. Sébastien Larsson. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Dans la profondeur. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Et dégagement du gardien. Le long ballon à l'opposé. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Touche.
sera sifflé. Faute. Et il est sanctionné. Carton jaune. Il peut y aller et ça rentre. Quelle intelligence dans la finition. Un peu de coaching, c'est bien. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Il allonge. Ça peut être dangereux. Ça n'ira pas au bout. Il choisit la profondeur. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Une occasion peut-être pour Ibrahimovic. Jouer dans la profondeur. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Retour à l'envoyeur. C'est joué long, c'est dangereux. Ça bouge côté gauche. Et ce ballon vers ses attaquants. Et jusqu'au bout. Occasion manquée. La Slovaquie qui effectue un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Dans la profondeur. Il est bien placé. La passe est précise. Bien, la profondeur. La frappe, attention. La parade, magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Et la tête. Ça s'est joué à rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Quelle passe terrible. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Oh, le bon ballon. Allez, ça peut faire mal. Il cherche à le servir. Ibrahimovic. Oh, il y a
danger. Il prend sa chance. Et il rate le cadre. La Slovaquie qui procède à un autre changement. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Duda, il y a peut-être un coup à jouer. Oh, bonne lecture, intercepté. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté, mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Merci à vous, mon cher Grégoire.